Alors, vous avez 26 ans, vous allez prendre le départ de la route du Rhum dans un mois. C'est un vrai challenge pour vous? J'ai commencé le projet de deux mois, en fait. C'était vraiment à l'arrache et maintenant, je suis en train d'essayer à rattraper. Ben oui, c'est un mois, j'ai aucune doute que je peux prendre le départ. Normalement, avec un mois avant le départ, c'est juste le petit chose. De le consolage, mais plutôt en équipage. Mais le principe pour naviguer toute seule, c'est complètement fou. Raconte que les Néo-Zélandais, comme les Bretons, ont de l'eau de mer qui coule dans les veines. Le skipper kiwi confirme. En fait, ma première navigation en bateau, c'était quand j'ai 3 semaines. Mauvaise humeur, mais pas de vent. Ça veut dire que la seule chose que je peux faire, c'est pour manger le mousse au chocolat. Et ça rien. Ça rien. Ah, c'est bien pris moi. Yeah, Conrad, it's Andy here. How are you? Hi. Yeah, good, thanks. You're having some problems by the sound of things. Yes, right. Just as you rang the second time, the boat fell over. Other than that, how's it been recently, Conrad? The mine blew up last night, and as a result, I lost my jacket. So... this used to be my jacket. And we'll just have to see what that means. But it's pretty frustrating. I'm totally gutted. I'm trying to put the big one back together, but I think it's going to be a task that will take me a couple of days. And unfortunately, when I was trying to do that, I put on my big spinnaker initially when it was calmer conditions, and I blew it up. So I'm under the... This is my biggest fear, that I would be doing well in this race and would lose it due to something old on the boat just going bang. It's so exciting that finally have speed. Oh, good way.